ça, c'est une bonne manière de commencer une belle affaire. Spécialement quand c'est une journée vraiment sombre aujourd'hui et déprimante dehors, comme vous allez voir. Et c'est ça qui est beau avec notre métro de Montréal. C'est la station, la majorité des stations sont belles. Et bien sûr, la station Saint-Henri, c'est sans exception. Et c'est ça. Fait qu'on va aller, aller bien haut. Sur le vieux escalier mobile. Refaite dans les années 90 ou peut-être début 2000, je sais pas, là, je suis pas un expert dans ça. Eh oui, c'est Elton McFall qui, pour la première fois probablement, que je commence à me montrer là, sur caméra dans un escalier mobile, mais ah, ça démontre mon grand intérêt dans le domaine de transport, transports. Ça fait à peu près le temps de que je fasse une vidéo, une marche en français ici dans ce secteur. Ben ici à Montréal, bien sûr, je viens, je dis souvent aux gens, moi je suis un ultime Montréalais, un Fringlish, un taille carré à la langue française, une personne d'origine de langue maternelle français québécois, mais comme bien des Québécois. Avec 30% de sang irlandais. Fait que c'est ça, on va sortir de la sortie. C'est ça, on va sortir de la sortie. Ben oui, on va sortir de l'exit de la station de métro Saint-Henri. Il faudrait que je me boutonne mon jacket en cuir parce qu'il fait pas chaud pantoute aujourd'hui. Il fait comme peut-être 8 degrés Celsius. Mais il fait encore plus frais que ça avec un petit vent, un petit breeze. Pas bien le fun. Montrer quelque chose d'unique avec cette station. J'ai toujours trouvé que ces morceaux ici de pièces d'or, d'œuvres d'or, ça ressemble à les taillight bezels des feux arrière d'un Dodge 59. Hein? Moi, je vais mettre ma casquette. Casquette Peterbilt. Merci encore à mon ami Alex pour le cadeau. Ça, c'est un gars correct, ça. Ça, c'est un gars qui travaille bien fort. Ouais. Je me doutais de faire cette vidéo, pas juste parce que c'est en français, mais honnêtement, je file pas aujourd'hui, moi. Je file pas aujourd'hui, man. Mon côté bipolaire se reverse à tête LED. Après un bon streak de 2 semaines, je me sens pas pantoute dedans aujourd'hui. Je me sens pas pantoute positif de la journée ou spécialement la job que j'ai eue. C'est, je suis sur la quatrième journée de formation, puis... ça dépend comment on regarde ça. Autobus en layover. Je sais pas comment on dit en français, layover. Ah, ben pour voir que je suis là, je devrais... ouais, c'est ça, je suis venu anyway ici pour voir si je pourrais faire regarder et filmer des trains un peu. Mais à cette heure-là, des trains de marchandises, il n'y en a pas vraiment. Tu vois, ça c'est un 2006. Ça, c'est une des meilleures années d'autobus à Montréal. Non, excuse-moi, c'est la meilleure année, c'est 2006. Pourquoi? Pour les chauffeurs, c'est parce qu'ils se portent bien, très bien sur la route. Ils ont plein de power. Et bien sûr, ils sont toujours confortables pour les passagers comme moi. Fait que c'est ça, on est dans qu'est-ce qu'on appelle le sud-ouest de Montréal. Le southwest of Montreal. Saint-Henri. Yes, sir! Saint-Henri. Que j'aimerais habiter ici, mais je quand même, il y a une partie de moi qui est tannée du inner city. Et... et moi ça, tous ces chars-là sans couleur, c'est tout après un après l'autre, sans couleur, pas de couleur. Ça, c'est la caserne de pompiers 23 là-bas, Fire Station 23. Fait que c'est ça, la ligne de train CN est juste là. Comme j'ai dit, c'est pas la meilleure journée, hein. Mais, attends, mais là, c'est quoi que je viens de voir, là? Je pensais que j'avais vu les lumières du camion de pompier en dedans allumées. Eux autres, ils ont perdu leur échelle. Je sais pas pourquoi exactement, là, mais... Anyway. Fait comme d'autres quartiers de la ville de Montréal, comme les grosses villes, avec le terme qu'on utilise, globalization, qui veut dire les gens ils ont plus d'argent dans le globe, dans le monde, parce qu'il y a plus de jobs. À cause de free trade, ben là... c'est sûr qu'il y a plus de gens qui viennent vivre ici en Amérique du Nord, dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, blablabla. On va aller un petit peu plus vite, la lumière est jaune!
Moi, j'adore ce mural-là qui existe depuis quelques années ici sur ce vieux building-là. J'aime ça. Mais anyway, c'est ça. Fait que, à cause qu'il y a tellement de changements du globalization, des gens qui viennent des pays qui sont plus en développement, qui sont plus favorables économiquement, les pays arabes, spécialement les pays chinois, mais là, il y a un influx de gens qui habitent ici plus que jamais et ça monte les prix de loyers parce qu'il y a plein de condos qui sont en construction ou les buildings, blocs appartements qui sont en train d'être refaits et tout ça. Fait que là, tu vois, cette idée, c'est venu pour moi soudainement de filmer cette marche. Comme je l'ai dit en premier, ça ne me tentait pas trop de le faire parce que je ne filme pas fantastique mentalement aujourd'hui. Mais je me dis, garde, check bien, je vais... pourquoi pas faire kill two birds with one stone, comme on dit, là, faire deux affaires en même temps. Puis, attends, mais je vois peut-être quelque chose ici. Là. Oh, il y a un train ici. Tabarnak, le timing, gars. Le timing. C'est un freight. Holy shit. Bon, ben, juste pour aller avec les petits affaires, un petit avion. Ben, je devrais dire juste pour aller avec les sujets de transport variés, là. C'est ça, j'ai filmé le train là, j'aurais pu l'inclure, je pense que je l'ai inclus dans la vidéo, je suis pas sûr oui ou non. J'essaie de garder certains sujets exclusifs que d'autres. Oh, ça c'est une belle voiture, Chrysler 300, à peu près 20 ans. Piece of shit, mais quand même, moi je trouvais que c'était des chars cool là, tu sais. Bon ben, j'ai recouru ici parce que j'ai entendu une sirène d'un champ de police, mais ça a l'air, je pense que ça venait de l'autoroute 20 qui est là-bas. Après les quelques rues, après Saint-Jacques puis Saint-Antoine. Fait que c'est ça. Ben là, pour voir que j'ai de la luck à avoir filmé le train que j'ai filmé, ben là, on va continuer notre affaire. Là. Je me dis une affaire, j'ai fucking pas pantoute de retourner à mon training parce que je suis certain que ça va pas bien marcher. Et parce que je suis mis à premièrement, puis deuxièmement, je suis pas vite comme les jeunes. Fait que il y avait beaucoup plus d'informations que je penserais. D'avoir été capable de retenir, de retenir et de savoir, mais en premier, je me disais, bon, ben, tu sais, on a juste besoin de la pratique, practice makes perfect, mais écoute, puis moi, j'ose pas, je me tente pas de dire de la compagnie, quelqu'un m'a demandé, mais je me tente pas de le dire parce que, comme je te disais, au coup que ça marche pas, regarde-moi ça, regarde, tu voyais le feu jaune, là, ça, c'est les feux de chemin de fer, OK? Ou comme en anglais, on appelle ça en anglais des signals, des signaux. Et quand c'est rouge, ça veut dire que le train n'a pas le droit de passer ce feu rouge-là. Ils n'ont pas le... c'est pas dégagé pour eux. Quand c'est vert, bien sûr, ça veut dire que c'est clair, ils peuvent procéder à la vitesse maximum. Mais quand c'est jaune, ça veut dire qu'il faudra qu'ils ralentissent et il faudra qu'ils arrêtent à la prochaine pancarte de signaux. Fait que dans ce cas-là, je vais peut-être, je suis pas sûr si je vais continuer ici, là, mais tu vois, c'est pour ça que je voulais venir ici aussi, c'est ça que j'ai oublié, c'est que toutes les feuilles changent, puis tu sais, c'est tellement beau, spécialement quand, vous allez voir, quand on arrive à l'autre spot que je fais mon spotting de train, là, c'est la rue Saint-Ambroise, là, puis c'est ça comme, hey, ça, là, il n'y avait pas de graffiti pour des années, hein. ça démontre le coin, c'est pour ça que j'ai... Je n'ai pas fini qu'est-ce que je voulais dire. Je voulais pas, me tente pas de déménager ici parce que oui, je suis comme tanné de la ville un peu, là, puis tout le brouhaha, là, puis le développement tout le temps, les condos, puis ça, c'est weird comme véhicule, hein. Mais c'est aussi à cause que, ouais, c'est ça le graffiti, là, les gangs, là, c'est un fucking problème ici, là. Gros! Hey, check la BM, ça, c'est nice. Ça, c'est swell. Hey, c'est-tu beau, calice? Rouge et jaune et... Ah, c'est beau! Ça, c'est la plus belle partie de l'automne, hein? Part de ça, là, comme on dit en français, là, goes downhill. Puis je pense que je viens juste d'entendre un VIA qui s'en vient parce que les locomotives de VIA, ils n'ont pas le même klaxon qu'une locomotive de freight, de marchandises. Ah oui, c'est sûr, pas le goût d'aller à ce job-là, ça va pas marcher. Je fais mes examens là, aujourd'hui. Même le boss, il a dit, le boss, il est super cool. Il a dit, ben, ça va être difficile les examens. Il a dit, ça va être super difficile. Fait que si c'est difficile pour les autres, ça va être l'enfer pour moi. Tu sais? Fait que. Ouais. Et tous les feux sont rouges dans l'autre direction.
bien sûr, parce qu'il vient juste d'avoir un train. Mais encore que ça serait peut-être un freight qui s'en vient, un train de marchandises. Bon, on va voir si vous êtes chanceux à voir le... Ouais, si vous êtes chanceux à voir le classique Pontiac 38, un modèle canadien qui s'en vient parké ici à gauche. J'ai rencontré le monsieur, il est super gentil. Holy shit! Hey, check ça, ils ont tout refait ça. Tout repeinturé. Wow! Yeah, regarde, il est là. Je connais aucune autre place dans la ville de Montréal. Tu vas voir une voiture si vieux que ça, qui est plus vieux que mon père s'il serait vivant, qui est parkée sur la rue. Puis avant ça, ce building-là aussi, il ressemblait pas à ça. Il était refait. Refait, excuse-moi, pas refait. Tiens, c'est lui, le monsieur, qui a ce garage-là, qui a ça. Puis avant, il y avait un vieux Chevy S85, un Towing. Remorqueuse. Mais si j'entends les cloches sonner de le passage à niveau sur la rue Saint-Amboise, qui est la prochaine rue parallèle à celle-ci, mais là, je vais courir, je vais peut-être revenir ici, filmer comme j'ai fait avant, là, avec mettre sur mes orteils, là, puis filmer la clôture. Tu vois, ça, c'est un véhicule, je m'en calissais quand c'était jeune, tu sais, mais là, je trouve qu'ils sont plus intéressants, ils sont bizarres. Toute la verre, là, malgré que ça ressemble un peu toujours comme un jouet, tu sais. Là, demande-moi pas c'est quoi la rue ici, je sais jamais. Je me souviens jamais c'est quoi le nom de la rue ici, pas tout. Pas tout! Ah, là, la lumière, l'indicateur de batterie, ouais, flash, là, la batterie est quasiment morte, là, il reste peut-être 10 minutes de juice, d'énergie, d'électricité. Mais tu sais, c'est une autre raison pourquoi je m'ai forcé à faire cette marche-là, parce que tu sais, dans mes marches, je parle tout le temps. Puis c'est extrêmement rare que je parle pas, puis je mette de la musique peut-être parce qu'il y a trop de vent, whatever, j'ai comme échoué. Mais pour moi, c'est comme thérapeutique, tu sais, parce que tu sais, quand on est bombé vraiment, puis on est déprimé, c'est bon de en parler peut-être avec un ami ou quelqu'un qu'on aime, whatever. C'est bien fait ça, c'est très bien restauré. Mais c'est ça, fait que... Parce que c'est drôle, je viens juste de dire qu'il restait peut-être 10 minutes de juice dans la batterie, puis là, elle est morte, elle tombe morte comme ça. Fait que c'est ça, mélange d'architecture dans ce quartier de ville-là, tu peux voir qu'est-ce qui est pas pantoute vieux, qu'est-ce qui est vintage. Hey, miaou! Oui, je t'ai filmé déjà, hein? Brrr! Beau petit minou! Miaou! Miaou! Le beau chat! Miaou! Oh, il est beau mignon! Ouais, je l'ai déjà filmé avant là, pour une série que je fais comme une fois par année. Là, je filme différents chats là, dans Montréal, puis j'appelle ça Montreal Kitties. Regarde, la ligne de train est juste là. C'est... Hein? Ce serait pas pire être là, hein? Ce serait pas pire, ça. Ah, c'est une gros truck avec des gros fucking pneus, c'est-tu, qui pourraient aller anywhere. Peut-être que je prendrais ça que comparé à un Jeep, hein? Fait que c'est ça, Saint-Henri, c'est un des quartiers les plus vieux à Montréal. Fait que il reste encore quelques très vieux buildings industriels. Je pense qu'il y en a. Ben, vous allez voir une seconde, là, c'est ça. Le building qui est là, ça, c'est le château Saint-Amboise, mais ça a été acheté par des Français il y a plusieurs années. Ils ont tout refait ça en dedans, là. Mais ils ont laissé les planchers à bois originales et d'autres affaires. Fait que c'est vraiment. C'est très kitschy, là. C'est vraiment cool là-dedans, là. Puis. C'est ça, avant ça, c'était le Dominion Textile Building. Puis ça, est-ce que c'était des buildings de textile, je sais pas. Ça, c'est abandonné, quasiment, il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est des riches qui habitent là, avec leur fucking mini qui parkent là, là. Ouais, c'est bizarre. J'aurais cher riche, estime-moi, m'a dit une affaire, j'habiterais pas ici, dans ce coin-ci. Mais le fun, tu sais, pour marcher dedans, là, regarder les affaires, là, filmer des trains là-dedans, mais... Saint-Augustin, mais vive ici. Si j'aurais de l'argent, no! No fucking way! C'est quoi ça? Fait que c'est ça, tu vois l'autoroute 20, c'est là-bas. Highway 20, on peut voir les chars là. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir un train de marchandises qui va venir de là-bas.
Pourquoi? Parce que le signal jaune, j'ai remarqué souvent, ils mettent ça pour les trains de marchandises, pas nécessairement les trains via rail. Fait que je pense je vais rester à bout, voir si je peux filmer ça là, puis ça serait hot. Donner la chance de mettre mes gants aussi, puis on va construire ça après. Bon, ben c'est ça, je suis en train d'attendre pour voir si je peux filmer un train. Bien sûr, nous autres, les fans de train, on espère toujours de voir un freight, un train de marchandises. Là, je m'ai aperçu à peu près une minute d'être ici au coin de la traque qu'en effet, je vais continuer la marche, on va continuer direction est, parce que c'est là où ce que le vent s'en va vers l'est. Fait qu'il faut aller, souvent quand je fais ces marches-là, je vais avec le vent, parce que sinon, ça va faire trop de bruit dans la caméra, dans la vidéo. OK? Ouais. Ah, je pense que c'est un VR. I think it's a VR. It's a VR. Ben, j'avais pas raison, c'est un VIA. Fait que c'est ça, fait qu'on va continuer. Comme j'ai dit, on s'en va direction est. Et bah ouais, il y a une affaire aussi qui me bombe, là, que j'ai en arrière de ma tête. Tu sais que c'est déprimant. Si j'ai ça collé, ça, si je suis quasiment cassé, j'ai quand même pas 10 pièces à mon nom. Puis c'est sûr que je vends des affaires régulièrement, mais des fois, si tu peux passer des jours à une semaine sans vendre fuck all, sans rien vendre. Puis quand ça fait partie de ton revenu, ben là, c'est important, là, tu sais, parce que être YouTuber, si vous saviez ou saviez pas, et je pense qu'il y a bien des gens qui ont l'impression, si t'es YouTuber, pis t'as des mille d'abonnés, tu fais de l'argent. Non, ben, c'est pas nécessairement tant d'argent que ça. Argent que ça, ça, c'est cool, en esti. Hein? Check-moi ça. Passerelle avec, qu'est-ce qu'il y avait avant, un loading dock? Un loading dock élevé, c'était spécial. C'est ça, fait que quand j'ai été payé pour mes revenus dans le mois de... Pour le mois d'août, j'ai été payé 484$. Écoute, ça couvre même pas mon loyer. Fait que c'est ça, c'est pas dur à voir pourquoi j'ai trouvé un job temps partiel, là, tu sais. Est-ce que je vais être capable de la garder? Peut-être, mais moi, je pense pas. Je pense pas, mais je suis mis up, tu sais. Avant ça, j'ai travaillé 2 ans et demi au centre d'appel des rôtisseries Saint-Hubert, mais c'était un centre d'appel qui était plus apte vers les gens avec les des déficiences physiques, tu sais, myopie, etc. Fait que, si je dis ça bien, là, excuse-moi, je suis une tête carrée aussi. Hey, j'aime bien le Toyota Land Cruiser, excuse-moi, 4Runner, là, SR5. Ouais. BM Wagon, pas pire, ça. Ah oui, by the way, c'est ça, on parlait de ça parce que ça me donne pas grand chose, ça me rend pas grand chose dernièrement, mais quand même, je vais me rassayer. Mais si, par chance, vous regardez mes vidéos, puis même si sont en anglais, les marches, tout ça, whatever, les véhicules, ben là, vous voulez m'envoyer un petit cadeau, un petit don, on va dire ça, on va t'appeler ça, vous pouvez envoyer ça à mon courriel, avec mon adresse courriel payée par PayPal ou e-transfert, c'est transfert bancaire. Puis mon adresse, c'est... Elton McFall, Elton comme Elton John, McFall, M-C-F-A-L-L, à hotmail.com. Elton McFall, à commercial, à hotmail.com. Bon, check, il y a une vieille van Westphalia là-bas. On va aller voir si je l'ai filmé ou non. Ah oh, non, on va monter par ici. Même si le vent, malheureusement, est... Oh! Et ouais, le vent aujourd'hui est pas mal fort. Tu vois le bleu, le Dodge Ram pick-up qui vient de passer bleu, là? C'est drôle parce que j'avais filmé une marche sur la rue Descarrières, tu sais, qui longe l'autoroute Descarrières. Puis je filmais aussi à un point une ambulance qui répondait en répondant sur Descarrières, tu sais, sur la voie vite. Puis drette en arrière, qui collait sur le cul de l'ambulance, c'était un pick-up exactement comme ça. Je ne l'ai même pas remarqué, c'était un de mes abonnés qui me l'avait remarqué ça. Yeah, ça a l'air d'une van Vaux que j'ai pas filmé, hein, puis elle conduit, là, parce qu'elle est sale. Ouais. Ouais, peut-être que je devrais le filmer, hein. Peut-être. Peut-être, en bonne shape.
comme un jaune vert typique de ces années-là, hein, les années 70. Ah, on va le filmer. Aïe, aïe, aïe. Hey, je suis pas trop bright. Si j'ai continué mon vidéo en marchant en anglais. Je suis tellement habitué de parler en anglais que j'ai recommencé à parler en anglais en marchant, si je viens juste de le réaliser. Et Colin, fait que là, on va faire un zoom sur le van en question, là. Pour qu'on trouve notre coin. Moi, on dit que je parle trop. Hey, calique, là. Regardez là, la petite belle petite cute van, là. L'année 70, là, avec les beaux arbres jaunes, tout ça, là. Puis, regarde, on voit ma réflexion ici dans la porte. Ah oui, puis regarde, c'est ça, je venais de faire un commentaire. Regarde, c'est bizarre, ce building-ci. C'est comme. Ça a l'air d'un vieux garage, OK? Mais check ça, OK, whatever, la porte a été. Couvert, mais regarde la fenêtre, check, c'est bizarre ça. Regarde comment c'est weird, j'ai jamais vu une telle affaire. C'est-tu un bunker ça, c'est pour Trudeau ou quoi? C'est quoi cette affaire-là? Anyway. Ouais, ouais, mais c'est ça, comme mon coin, tu sais, à cause que c'est historique, il y a des. Tous les coins historiques, tu vas avoir des vieilles affaires des fois. Regarde, il y a un vieux Land Rover, là, ça a l'air des années 90. Land Rover Discovery, je pense. Pas en tout un véhicule de qualité. Peut-être, mais probablement même plus pire qualité que la Volkswagen van là-bas. Mais elles sont très populaires. Et là-bas, il y a bien la construction, là. Construction à Montréal, qui est synonyme comme une bonne poutine. Et regarde-moi ça, une Toyota Camry. À peu près quoi, 92, 13, 14. Top clean, si sacrement que maintenant on a une belle condition. Mais pas parfaite, mais quand même. Ici, là, dans qu'est-ce que j'appelle le Rust Belt, c'est pas pire. Pire ça! Hey, celle-là est belle, hein? Elle a été bien restaurée, celle-là. Moi non, ça. Wow! Hey, ça, c'est une vraie ancienne, ça. Ça, là, ça a peut-être 100 ans, là. Camion Western Star! Hey, ça c'est pas vieux, ça c'est neuf quasiment. Là. Regarde la peinture. Ça c'est fucking laid à mort cette affaire-là. Ça là, c'est tellement laid. Aïe aïe aïe. Il y avait ça dans le futur, ça là, ça va monter dans la valeur, le Veloster. Est-ce que c'est laid? Ça a la plus pire visibilité que j'ai jamais vu d'un char pour regarder dans l'arrière de la fenêtre, là. C'est incroyable. Fait que c'est ça, on a quasiment terminé, bien sûr, ne craignez pas, je vais vous faire d'autres vidéos bien sûr en français. Je sais pas quand est-ce là, mais j'en fais en fur et à mesure, tu sais, quand j'y pense, tu sais, quand j'ai fait assez de vidéos pour un moment de marche en anglais, en English là, en English. Ah si, j'ai pas le goût de faire des exagérés, pas le goût, pas en tout à cette affaire-là, là. Ah, je suis pas dedans, pas en tout à ce maudit de... C'est le cerveau négatif, t'as calice. C'était pas assez d'être mi-up, là, tu sais, que je peux pas conduire illégalement toutes ces vieilles affaires-là que j'adore, qui sont pas bonnes de la planète. Maudit, tu sais, comme gars, il y en a un qui s'en vient ici, là. Chevrolet, tout pourri au bout, c'est un vieux GMC Yukon, là. Yukon, là, il est rouillé en tabarnak. Ça, là, ça va aller à scrap, t'as de garantie, là, dans peut-être un an, là. Mais peut-être que non, parce que ça, c'est vraiment un 350 V8 là-dedans. Tu sais, GM faisait encore des bons moteurs V8 dans ces années-là. Fait. Là, on va venir avec une. Ah, ben, regarde, c'est quoi? On va marcher quelques blocs, deux blocs ici. Parce que, regarde, ils ont tellement bien refait la rue. Moi, à passer, j'étais négatif, j'étais accroché comme. Ah, regarde-moi ça, comment ça doit coûter cher, toutes ces tuiles-là, le trottoir, peut-être, c'est cher, là, c'est un gaspillage d'argent des payeurs de taxes. Mais quand même, c'est très beau, mais c'est aussi, ça reflète comment que c'est un coin qui devient bien cher, bien trop vite. Regarde, il y a un beau mural là-bas, le beau mural. Jean Coutu qui est neuf. Regarde le trafic site. Ouais. Tesla. Ah ouais, des Tesla, si dans ce coin-ci, tu les vois régulièrement. Juste te dire comment que ça a changé, ce coin-là. Regarde, des Tesla, des BM, des Audi. Check, esti. Le monde, ils ont de l'argent ici, là. C'est plus un quartier de pauvres, ça, là. Tu sais, puis Hochelaga, là, ça commence à devenir comme ça aussi, tu sais. Sérieux, là.
Moi, j'étais un assis de pauvre, moi, là, j'étais un nobody. Ben, je suis pas un nobody, assis de monde. Ça m'est arrivé même récemment, il y a un gars qui m'a reconnu sur ma chaîne de YouTube, puis, écoute, le monde, il te reconnaît comme t'étais ici, là, t'étais un assis de pauvre. J'ai quasiment pas un assis de scène à mon nom, t'as pas. Ouh, l'avenue, the avenue. Ouais, tout du monde hipster, là, puis, etc., etc., là. Pas la plus belle journée, hein? C'est normalement, j'aurais arrêté ici au Tim Hortons, mais je suis tellement pauvre, je m'ai pris un troisième café avant de partir de chez moi. Vers, je pense qu'il était comme... gars, c'est elle, la van, la Volkswagen van que j'aime pas, la van à gants. Mon trip sur ça, c'est que c'est let. La seule raison aussi pourquoi qu'ils achètent ça, c'est parce que c'est bon, c'est le gaz, parce que c'est un 4 cylindres. T'sais? Fait qu'en effet, on est venu dans un temps, si quelqu'un a du guts, s'il s'achète un assez gros GMC Vendurant, un G20, un Chevy Van, un Dodge Ram, un Dodge Tradesman, un fucking Ford Econoline. Tu sais, comprenez? Mais tu vois, le gars, ça, c'est pas cheap à refaire une rue comme ça, là. Sérieux, là. Check-moi ça ici, là. À la rue, je sais pas c'est quoi le nom, là. Et en haut là-bas, ça c'est le secteur de Westmount, drôlement, qui est le plus riche secteur de la ville. Tu sais? Ah oh, ben, je suis un peu tanné, moi, là. Ben, oui, c'est ça. Je pensais de finir la vidéo, mais écoute, que je te dis, moi, quand je m'amuse, on continue. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter au Green Stop. Puis, l'autre bord de la rue, il y a un McDo, je pense que je vais arrêter là, puis utiliser Wi-Fi, là, puis checker le courriel, les emails. Sur le Googles. Ouais, eltonmcfall@hotmail.com. Ou je devrais dire commercial@hotmail.com si vous voulez m'envoyer un petit cadeau. Très apprécié. Je pense que peut-être il faudrait que je regarde encore mon. Essayer encore une fois de rouvrir mon compte Patreon parce que. Je sais pas, peut-être ça marcherait plus. C'est ça le monde m'avait dit, c'est que tu sais, les gens ils deviennent un patron. Puis ça veut dire qu'ils sont, comme, deviennent membres pour, en effet, donner un don automatiquement à un certain montant chaque mois. Hey, ça, c'est vieux, tu check cette place-là, liberal, libéral, hey, ça sent bon ici. Oh, colique, ça sent bon, là, ça sent le bon poulet barbecue. Ouah. Ah, mais je suis content que j'ai vu aussi la Volkswagen van, là, parce que ça, tu sais, je cherche... toujours des, spécialement de ce temps de l'année, là, Chris, on est aujourd'hui le 18 octobre 2019, puis là, le plus qu'on avance, le plus de, le moins de vieux chars ou d'anciennes, peu importe que je vais voir, est capable de spotter ou de filmer. Parce que tu vois, pour moi, c'est un jeu, parce que je veux être capable toujours, depuis comme là, ça fait plus qu'un an, de quasiment chaque jour, uploader une vidéo d'un auto ancien. Même si c'est juste un char des années 90. Autant que ça a à peu près 25 ans plus, puis que pas que je suis vendé dessus, mais que j'aime, ça me plaît. Fait que, du gré. Pour de ça, il y a certains chars, là, je vais pas faire, là. Des chars vraiment cheap, là, tu sais, comme une Escort, là. C'était une Ford Escort des années 80, là. Faudrait que ça soit un modèle GT, quelque chose de rare. Ou qu'elle ait comme, fucking 6000 milles dessus le compteur. Montréal, synonyme avec des cônes de construction partout. Yes! Fait que c'est ça, boys and girls. J'espère que vous avez tous aimé ça. Là, juste merci beaucoup de regarder. Puis je vous souhaite une bonne journée. Puis ça va vraiment devenir un condo, là, ou plutôt au fur et à mesure, là. Bye!